C'est pas nous qui avons inventé l'entraînement, hein. Nous, on a fait que copier. Non, les entraîneurs. Pardon ? C'est naturel. Ben oui. Non, mais l'entraînement, je dis, qu'il soit humain ou sportif, il faut bien l'échauffement. Hein, autrement, vous cassez tout. Hein. Hein, on n'a rien inventé, on a fait que copier, quoi. Ceux à qui il faut dire merci, c'est ceux qui ont inventé l'entraînement. Il a fallu drôlement le penser, oui, l'entraînement. Oui. Hein. Bon, après, ça s'est amélioré parce que, bon, sur le plan sportif médical, mais l'athlète lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? S'il vous plaît, là, doucement. La course, c'est l'après-midi, hein, les gars, là, voilà. Pardon ? Le travail sur toi, ça l'a mis encore plus sur tête. Ah ben c'est sûr que les chevaux ils sont en bois avec du lait tranquille. Hein. Ils sont plus calmes, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. C'est quel qui vient de faire ? Un cheval qui vient de gagner à Compiègne, du cheval. Il y a un gamin, ouais. C'est vrai qu'il saute très bien. Oui. Tu préfères le mettre devant ou derrière? Peut-être que toi, il regarde un peu. Bon, eh ben, tu vas faire le maître d'école à Shannon Rock, alors. Bon, ceux-là, là, 1, 2, 3. Après, vous irez... Enfin, restez là. Vous irez à Boileau, vous ferez votre trotting et vous nous attendrez. Alors, attendez. Hop. Vous deux descendrez sur les jaunes. Il n'y a pas besoin de faire le gazon, lui. Non, il n'y a pas besoin. Non. Vous descendrez un canter sur les jaunes. Hein. Okay. Des boîtes au camp militaire, un petit canter sur la main jusqu'au bout. Attendez. Hop. Oh, Bartabas. Alors. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Tu me recours là, ouais. 25 minutes. Ouais. Bon. Bon, vous nous attendrez un petit peu. Ouais, c'est là. Tu crois qu'il y a besoin de faire les lits? Ah, peut-être, parce que. Bon, alors, d'accord. Bon. Alors, c'est bien. Je vais mettre dernier par contre. Ah, je le mets là. Oui, donc, tu penses qu'il faut faire les lits ou on le met sur le plat? Moi, je pense qu'on peut la laisser sur le plat. Ouais, bon, d'accord. Hop. Hop. Toi tu te mets là avec les chaussures, toi aussi. Les deux là, les deux gars. Toi tu te mets là. Bon. Vas-y, vous prendrez les deux gamines avec vous là. Hein. On se regarde le chasse. Hop. Attendez qu'on les voit passer les chevaux, hein, qu'on s'en aille. Alors. Chose simple, vous me les mettez ensemble. 1, 2, 3 et 4. Attendez qu'on soit arrivé quand même. Hein. Vous partez. Vous mettrez devant. Deuxième position. Troisième position. Quatrième position. D'accord, hein. Vous partez un petit canter en progression jusqu'au bout. Puis après, vous revenez au trou comme d'habitude. Mettez les chevaux de stipe avec les chevaux de stipe. 1, 2, 3, 4. Et toi tu vas la mettre, avec Mandali. Elle descendra un petit canter jusqu'au bout. Hein? D'accord? Elle roule.
20, 20, 20. Tu veux la sauter ou on met la Tiffen sur la jument? Toi, oui. Autrement, on met Tiffen dessus et tu travailles la jument sur le plat. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères sauter? Bon. Alors, vous avez compris votre travail. Lui devant, toi deuxième position, toi troisième, toi quatrième. Hein. Et après la dernière, vous les allongez un petit peu si vous voulez, il n'y a pas. Et vous faites pareil, mais sur les 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Compris? Bon, ben allez, on y va. Ne répondez pas tous ensemble, hein? Oh! Vous avez compris le travail? Bon, ben alors répondez oui ou merde! Parce qu'après vous faites que des conneries. Après, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Ouais, ben alors, quand on vous parle, répondez! Pour Cheltenham, pour le meeting, ils vont pas faire les cons sur des bourricots que toujours avant. Non, mais pourquoi? Non. Parce qu'ils sont professionnels et respectueux, des propriétaires qui leur donnent des bons chevaux. Hein. Nous, c'est à la française, quoi. Ouais. C'est la française. C'est une autre politique. Oui, un pot de merde, un pot de caviar, ils font pas de différence, ils veulent autre chose. Ouais. C'est toujours pareil. Ça va pas changer, hein? Non. Non, c'est comme ça. Faut faire avec. Si ça te plaît, ça va. Si ça te plaît pas, ben. Bah, va voir ailleurs. Moi, je sais pas, moi, dans le temps, le temps de ton père et autres, les crack jockeys, ils montaient à Auteuil. Ah oui, et puis en plus, quand ils avaient des bonnes épreuves, ils montaient pas avant. Eh bien, bien sûr. Ils refusaient même trois jours avant de monter. Ah, bah oui. Même si c'était des chaussures, ils disaient non, non. Ben oui. Ils montaient, oui, ils se connaissaient tous bien, voilà. Le temps a changé, il faut s'adapter avec son temps, mais... Évidemment, quand tu vois que les deux cracks jockeys, ces deux anciens gentlemen, et qu'ils font 1m80 et qu'ils ne peuvent pas monter à 67 kg, c'est qu'il doit y avoir un problème de jockey quelque part, hein. Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Non, c'est voilà, ça. Hein. Oh là. Il doit y avoir un problème quelque part. Quand même pas un métier de docker, hein. Un jockey c'est spécifique, hein. Il y a un problème de taille, un problème de poids, il y a un problème... Si les deux cravaches d'or des deux dernières années, c'est des anciens gentlemen qui font 1m80 et ils ne peuvent pas monter à moins de 67. Alors c'est qu'il doit bien y avoir un problème, je ne sais pas si ça vient de la FASEC ou si ça vient d'eux, mais il y a un problème quand même, non? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a un problème de formation, hein. Si les meilleurs jockeys d'obstacles maintenant ils viennent de province, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas ici. Hein. Non, c'est sûr. Bah, je sais pas moi. Hein. C'est sûr qu'on en prend trois seulement, là, Lestrade, Touganou et David Cotin, et ils viennent de province. Ils viennent tous de province, ouais. Mais c'est bien ce que je te dis. Mmh. Et ils ne peuvent pas monter à moins de 65, 67 kilos. Alors, seuls qui résistent dans les anciens, c'est Cyril Gombeau, gens comme ça, mais c'est des anciens maintenant. Bah, oui, bah, oui. Il est devenu meilleur parce que c'est toujours pareil. Hein. Mmh. Si t'es dernier et qu'on enlève tous ceux qui sont devant toi, t'es le numéro 1. Le seul qui avait encore la taille joker, on va dire, c'est Christophe Pieux, mais bon, voilà. Bah, oui, mais attends, il y a... Il y en a qu'un. Tu peux pas... Oui, mais tu peux pas être sportif toute ta vie. Hein. Ouais, il y a un temps pour tout. Hein. Oui, c'est sûr. Évidemment, il était exceptionnel, mais voilà. Hein. Sur le Nas. Il manque de tête, là. Ouais. Championne. Bien, ça va. Regarde pas. Très bien. Il m'a fait une super pointe de vitesse. Ouais. Bon, mesdames, messieurs, la cour. Ah.